vraiment retrouver la puissance de la guerre. Moi, ça m'a un peu choquée quand même. Donc, je suis sortie en avance par rapport à ma classe. Donc, voilà. Oui, qu'est-ce qui vous a choquée en particulier ? Les vidéos, surtout d'enfants, de sang, des visages en sang. Vraiment, les blessures physiques, c'est ce qui me choque le plus. L'objectif, c'est de faire comprendre aux élèves qu'on ne vit pas tous dans de bonnes conditions de vie et que parfois il faut se rappeler qu'il y a des situations qu'on aurait certainement du mal à vivre, à accepter. Et... Voilà, donc ça nous donne quand même une dimension de la liberté, je trouve, et puis aussi des libertés à préserver sur tout ça. Ça, c'est important. Et puis, on espère tous qu'il n'y aura jamais de guerre chez nous, quoi. Également, on est égoïste, mais il y a un peu de ça aussi. On a une chance, quoi, de pouvoir d'aller à toutes ces expositions. En plus, elles sont quand même gratuites pour nous, pour beaucoup et pour nous. Donc, je trouve que c'est une richesse et une ouverture pour les élèves aussi.